Voilà. On est sur des enduits de finition. Donc, les différentes étapes. On a commencé par préparer le mélange. On a du sable qui a été tamisé là-bas. À combien ? Tamisé à zéro, à un tamisage assez, assez fin. L'épaisseur de votre cloison, enfin, l'épaisseur de votre finition, c'est combien ? Là, on est sur un petit centimètre, même pas. Donc ça veut dire que les éléments, ils doivent faire moins d'un demi-centimètre. Voilà. Donc on a tamisé le sable, on a pris de la barbotine, on a tamisé la barbotine, on a préparé l'enduit en le mouillant et en décollant les parties sur les bords. En fait, il y avait des parties d'enduit de corps qui étaient revenues sur la pierre. D'accord. Donc, elles commençaient à se décoller. On a coupé pour pouvoir bien remettre l'enduit de finition dessus. Ensuite, on a préparé le mélange. On a besoin à chaque fois d'un mélangeur, un gros mélangeur qui tourne électrique. Et puis ensuite, on a commencé c'était à attaquer. C'était quoi les proportions ? Les proportions, c'était 2,5 volumes de sable pour un volume de barbotine. Ouais. Et de barbotine tamisée. Ouais. Et ensuite, on a mélangé. Et il n'y a que ça. Ok, très bien. Et là, on commence par le haut. On a bien mouillé. On a mouillé avec une grosse éponge complètement trempée le mur. Ouais. Et ensuite, on attaque d'abord en haut. Le plus difficile, c'est les bords. Ouais. Et ensuite, on essaye d'avancer. Alors, pour avancer, on colle un peu près notre spatule comme ça. Et puis, on essaye d'amener la matière dessus. Voilà. Et puis, quand on voit qu'il n'y a pas assez de matière, ben on en remet. On a la barbotine qui a été filtrée, donc vraiment une texture très très crémeuse. Et là, ils ont le sable qui a été utilisé pour faire l'enduit de finition, donc aussi du sable tamisé. Pour rappel, si vous devez retenir quelque chose, c'est que les plus gros éléments de votre mélange de corps ou de finition ne doivent pas faire plus de 1/2 de l'épaisseur de votre couche. Voilà. Ça, je vais juste aller en mettre un peu, ajouter. Hop. En fait, vous on rajoute un petit peu de matière parce qu'il n'y en avait pas, un petit peu pas assez. D'accord. Et ensuite, on lisse avec la lisseuse japonaise. Lisseuse. Vous voyez, en fait, il fait un coup en poche. Et ensuite, idéalement, on fait des grands gestes. Ouais. Par exemple, comme ça, là. Puis au tout coup, il n'y a pas de trace. Alors, oui, pour couper, en fait, vous pouvez faire de vagues. Ou si vous avez besoin, par exemple, j'ai juste coupé là. Hein. Vous pouvez faire comme ça, là. Pardon. En fait, sur le côté, c'est pas très bien lissé. Vous voyez là, là. Je pense qu'il est un peu trop... Trop gay. Non, en fait, je pense... Il manque un peu de matière et du coup il a que rase quand ça, c'est pas grave. Du coup, là c'est pas très propre. Et on peut revenir quand ça aura un peu séché, dans une demi-heure, une heure, remettre un petit coup de lissage, là ça craint moins. Mais ce que je vous disais, c'est que quand on lisse sans cesse l'argile, ça fait remonter le lait d'argile à la surface. Et du coup ça enlève... l'adhérence. Ça enlève un peu d'adhérence. Le maximum une demi-heure pour que ça soit trop séché, j'imagine, pour lisser à la fin. Ah Pascal, hein? Faut pas que t'attendes que ça ait séché complet, j'imagine, pour lisser. Non, ah bah oui, demi-heure sinon, max. Sinon tu, ça fait crrr, ouais. ça lisse que dalle. Le beurre de plus 500 va à ok. Alors, pour couper, là par exemple, vous pouvez faire des vagues. Là, je ne veux pas trop faire votre travail, du coup... Mais sinon, tu laisses le groupe revenir, vous rejoindre... Vous faire comme ça? Oui, en fait, pour le montrer. Vous voyez, vous coupez comme ça. Oh là, on a fait une barbotine. Et là, on est en train de filtrer la barbotine.
Et le surplus du filtre, qui est encore bien argileux, on le met dans cette bassine-là pour l'atelier torchitaille. Alors que nous, la barbotine filtrée, elle va être utilisée comme enduit de finition en mélangeant un volume de barbotine filtrée avec 2,5 volumes de sable tamisé. Hop, atelier collectif d'enduit de finition dans la maison, dans la cave à bière. Mais ben, ça avait à quoi cette cabane, chez lui? Ça sert à quoi? Pourquoi ça pousse à... Ah, pardon? C'est une cave? Non. Le cave, c'est trop Ah, mais ça va être un sauna. La maison des alcooliques. C'est ça, trop. Donc là, en haut, ils ont tout nettoyé. Et en bas, comme ils ont appliqué, il va falloir attendre un petit peu, quelques heures. Mmh. Avant de pouvoir vraiment nettoyer sans que ça redégouline quoi. Et voilà, on voit la différence. Bon, moi je vous laisse dans votre sauna à bière, hein. Sauna à bière. On vient dans combien de temps? Ah, 10 minutes, c'est prêt le repas.